Et hop, 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 avant que la vidéo commence, regarde-la jusqu'à la fin, abonne-toi et like. Sinon, t'auras pas de part de gâteau ce soir. Si tu partages à un ami, tu peux partager ta part de gâteau. Ça veut dire que t'as deux gâteaux. Parfait, je pense que vous avez compris. Allez, bon visionnage. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Je demandais à Crew après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Moi, je voulais savoir, c'est parce quoi? C'est intéressant. Ah, j'ai hâte d'aller me coucher. Hein. Voilà, j'ai hâte que la journée vienne. Un petit peu plus loin, par là, il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez on va pas rencontrer Marcus. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Il y a beaucoup de monde qui mérite d'être heureux, les gars. Beaucoup. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. J'ai sur Twitch, vas-y. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. Oh mais là, si c'est encore les symboles à trouver, mon gars, laisse tomber. Hein. Ah bah je connais cette grue, bah ouais c'est là-bas. Oh Connor. C'est vrai qu'on avait trouvé l'emplacement, on avait trouvé les trucs et tout. Jericho, c'est un bateau géant, les gars. Incroyable. Ok, on peut rentrer comme qu'on veut, comme ça. Où se mettre au chaud pour Alice. Ils effectuent des rafles à travers la ville. Les androïdes ont mitraillé. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont...
menaçait de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, tout se passera bien, Alice. Repose-toi. Étends-toi, mets-toi bien. Tout se passera bien. Era 9. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. De la fièvre? C'est quoi Era 9? On ne saura jamais. On sera dans une prochaine grande aventure. Se lever. Bah, je me lève. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Qu'est-ce que tu sais à propos... Qu'est-ce qu'elle a... Bah, elle est malade, ouais. Connor is there. Trouver le leader Deviant. Des bons, des C4. Quelque chose. Tu te cherches toi-même. Qu'est-ce que la grande prépresse ou trépresse, trépresse, prépresse? Je sais pas. On est en bas, nous, on est là. Les Russes ont des androïdes? Ah voilà, ça tombe mal là. Ah moi je pense pas que c'était pour leur bien les androïdes. Bonne guerre, Marcus! C'est toi Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici, on va au Canada. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. Voilà. Oh la c'est phrase. Oh, elle vient du cœur ça. Attends, ils... Ouais, ils sont là-bas, non? Alice? Hey! Hey! Alice, c'est un androïde?
tout ce temps, on le savait, mais on nous le cache. On voulait se le cacher ? C'est ça que tu voulais me dire, tu le savais, mec. Tu l'as toujours su. En fait, le père. Le père, il a aussi. Il voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Le père a perdu sa femme, alors il a essayé de recréer une femme. Qui lui ressemble. Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est une des nôtres? Elle a refait une fille parce qu'elle est aussi dessus sa fille. Ou la fille est partie avec la mère. Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais. Et toi la mère dont elle avait besoin. Là, pour moi, ça change pas la relation. Oublier ce que tu es. C'est un modèle. Il y en a. C'est la vraie là-bas. Et elle qu'on est devant, c'est ça. Elle juste derrière. Wow. Ok, bah c'est waouh. Bah c'est l'aime. Ah mais là vu qu'elle a chaud, elle a froid et qu'elle avait faim, genre elle est programmée pour ça quoi. C'est une petite fille. Kara, y a un problème. Est-ce que elle-même le sait? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai Kara? Et c'est bien qu'on parle de ça, vous savez que la vidéo que je suis en train de travailler sur ce truc là. En fait, c'est comme Detroit Become a Human. Vous allez avoir des choix à faire, oui. C'est-à-dire soit ça, soit ça. Là, je suis en train de travailler là-dessus. En vrai, j'aime bien. C'est sur un univers que j'adore, que je comprends, les gars. Écoutez, je suis en train de lire tout ça, là. Bon, vous voyez, hein. Tout ça, là. Et... Je pense même encore travailler dessus tout à l'heure. Alors ouais. Alors d'ici quelques années, un an et demi, 2 ans, vous allez peut-être pouvoir regarder cette vidéo là. Et ça ferait très plaisir et j'aimerais la publier avant. Oui. Oui, pour toujours. C'est une style de vidéo comme Markiplier, vous voyez ce que je veux dire les boys? Même bail, sauf c'est mon univers, t'as capté? Alors Alice est un robot. Luther c'est le daron. Luther c'est la vie. Qu'est-ce qui va se passer? On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ça parce qu'il y a un androïde qui a tué un flic. Agressif, déterminé, accusateur, sombre. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. Ton allocution télévisée ressemblait à une déclaration de guerre. La violence ne fait qu'engendrer la violence. Mais est-ce qu'on a fait de la violence à part tuer 2 flics? On a tué 2 flics. On n'a rien fait d'autre. Tu récoltes ce que tu as semé. Oh bordel, je sais pas. Énervé. Amer. Ok, un peu amer.
Remondant. En vrai, moi j'ai remondant. Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et 3 personnes sur le live Twitch. Salut les gars, s'il vous mettez-vous bien. Dialogue. Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière ne fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Bah ça va être la fin de l'aventure et on pourra en faire plein d'autres après, meuf. Oh. Mais chaque non, truc, je dois chaque truc a une fin et on est au 11e épisode. Pas cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Putain, mais de base, je suis un antagoniste, mon gars. Prochaine fois, quand on va jouer lui, mon gars, c'est la guerre. Triste, énervé, pensif, triste. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. On était 3 sur Twitch, là on est 3 sur YouTube. Eh, vous vous baladez? Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Meuf, tu veux... Toi, tu veux la guerre, ça se voit. Le problème, meuf, c'est que tu n'es pas Ramattra. Ce que tu ne comprends pas, votre peuple est petit. Si tu fais exploser juste une centaine d'humains, je peux te confirmer que les 8 milliards, ils vont s'en branler. Ils vont se dire, bah vas-y, on les bute. On les débranche. Vous êtes un service en ligne, les gars. On débranche les systèmes, les serveurs, c'est fini. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as raison. Je sais pas, le... Moi, j'aurais aimé prendre la bombe. J'aurais aimé. Il arrive demain. Amoureuse, chemin dévoré. Je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Elle a pas d'amoureuse, bordel. La main, elle va reculer. Elle va pas kiffer. Oh. Oh. Oh, ils se connectent entre eux. Embrasser, ne pas embrasser. Embrasser. C'est pile ce que je disais. Je dis, ils sont embrassés depuis ou pas? Je sais plus. Oh, incroyable. Incroyable. Vous voyez, ça se voit qu'ils s'aiment. L'amour. La meuf, elle veut la guerre. L'autre veut la liberté. Tu vois, ça soutient. Je vais rejoindre les autres. Voilà, je comprends pas ce que tu trouves pour elle, mec. Juste parce qu'elle était, elle était stripteaseuse. Je suis sûr que c'est ça. Je ne veux pas te perdre. Tu vois, il y a 2 chemins qui arrivent à nous, les gars. Soit, vraiment, et c'est rare que je fais des choix comme ça. Mais soit on y va jusqu'au fond, les gars. Ou on fait notre sacrifice et on finit ça là-dessus et on continue sur Détroit, mais on fait d'autres trucs. T'as capté? Oh, Connor. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Oh merde, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on arrête Marcus? On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. «
Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Oui, tu peux me tuer. Mais ça ne changera rien. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Notre peuple se réveille enfin. Et rien ne peut plus nous arrêter. Tu viens avec moi! Tu es Connor, n'est-ce pas? Le fameux chasseur de déviants. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé ce que tu cherchais, on dirait. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. On la tire pas, Connor, je veux juste voir ce qui pourrait se passer. Tir d'avertissement. Ok, c'est nous, là on joue Connor. Tir d'avertissement. Assez. N'approche pas. Non, rien à dire. Et on dit rien. Semer le doute. Remettre en cause. Faire douter. Les gars, on met quoi? Les gars, je veux que ce soit vous qui décidez, les gars. Est-ce qu'on prend le choix numéro 1? On semer le doute. Choix numéro 2, on remet en cause. Ou choix numéro 3, on fait douter. Est-ce que semer le doute, ça serait pas faire douter, justement? Les gars, dites-moi 1, 2 ou 3. Je veux un peu de la participation du chat, s'il vous plaît. Sur Twitch et sur YouTube. Allez. Dites-moi 1, 2 ou 3. Pas, attends, pas. C'est pas tout un quoi? J'ai pas tout un doute? Tout un doute? On somme le doute, le premier? Dis-moi, Tucker, qu'est-ce qu'on fait, Tucker? Dis-toi que c'est toi qui va faire le choix ultime. Alors on somme le doute, vas-y. Tu n'as jamais eu le moindre doute? Tu n'as jamais rien fait d'irrationnel? Comme s'il y avait quelque chose en toi. Quelque chose de plus que ton programme. Mais mec, Marcus, t'as le pouvoir de les rendre déviants. Pourquoi là tu peux pas sur Connor? Remettre en cause, rallier, faire douter. Est-ce qu'on le refait encore douter? Ou est-ce qu'on le rallie tout de suite? On le rallie à nous ou on le remet en cause? On fait quoi, les gars? Tucker, on fait quoi? C'est Aaron, Tucker. Je le gaslight. Tucker. On remet en cause, vas-y. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Tu dois te décider.
Ah, devenez un déviant, les gars. Allez, on a un déviant, les gars. Est-ce que si on aurait décidé d'être une machine, est-ce qu'on on voudrait toujours tuer Marcus? Est-ce qu'on aurait toujours voulu? Je sais plus. Je sais pas en fait. Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Oui, mais du coup, oui, il sait où est-ce qu'on est. Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Comme des rats pris au piège. C'est vrai que là, à part couler le bateau, je sais pas comment vous pouvez partir. Luther s'est fait shoot! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Où sont Simon et Josh? Je sais pas, on a été séparés. On doit faire sauter Jericho. Mais non! Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir. Tu n'y arriveras jamais! Les explosifs mais sont non dans la cale et il y a des soldats partout! Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus! Je n'en ai pas pour longtemps. La good ending, c'est qu'on doit tous s'en sortir vivant. Meuf! Non, pas. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Ah, je vais le faire. Oh, y'a Nathan qui est en ligne, en live. Il est en live sur quoi? Ah, je sais pas, mais il est avec Dan. Bon, on va rien dire là-dessus. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas. Kara, non. Y'a personne qui va aller derrière, t'as capté? On m'a toujours appris comme ça. Tu vois, easy. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre.
Bordel. Bien, dépêche. Tu vas bien, Kara? C'est un soldat. Ça compte pas. C'est pas un civil. Et la meuf qui était avec nous, elle est morte? Il m'a frappé, ça va, t'inquiète, ça va. Ça va, il m'a juste frappé. Putain, j'ai pas le choix. Je peux rien faire, je suis désolé. Bah excuse-moi mais oh. Mon pote. Vite, par ici. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Oh merde! Oh le choix! Prétendre être couché, courir, se rendre. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Si on court, on se fait shot. Prétendre d'être touché, se rendre. Les gars, Tucker. Tucker. Dis-moi tout. Dis-moi tout, Tucker. Prétendre d'être touché, c'est-à-dire on va tomber à terre, tu vois. Genre en mode on est touché, on tombe à terre. Mais après, ils vont essayer de vérifier les corps. Alors est-ce que c'est une mauvaise idée? Ou sinon, courir. On essaie de courir, mais il y a des chances qu'on se prend une balle, t'as capté? Ou sinon, on se rend, c'est-à-dire on se rend, soit une au but, mais ils ont dit qu'ils capturaient toutes les déviants et ils les emmenaient dans des camps. Je fais le mort. Dis-moi. Dis-moi, Tucker, je fais quoi? C'est ta game, c'est ton choix, là.
Si je cours, je peux me faire flinguer, toi. Cours, vas-y, on court. Bon, on est touché. Ok, alors, Tucker, là on est touché, comme ça, si nous inspecte, on peut vraiment croire qu'on est mort, t'as capté? Se lever, attaquer, se rendre, l'autre ça va être, se prétendre être touché. Là, bah, on va pas être prétendre être touché, on est touché. On fait quoi, Tucker? On se lève, on se reprend une bastos, on attaque, on se prend une bastos, on se rend et on va dans des camps, où là on se prétend être touché parce qu'on est vraiment touché techniquement, là. Eh hey, Tucker, tu gères. Non, on est blessé, bah tu gères moyen du coup. On fait quoi, Tucker? C'est Taron, Tucker, c'est Neutron. Le fake touché, asé asé. Bah crie pas à terre non plus, wesh. Ne bouge pas. Les fans de Relis n'ont pas bougé. Bah on bouge pas. Voilà, je bouge pas. Ils s'en foutent, ils nous auraient buté. On se lève, Tucker? Est-ce que t'es sûr qu'on est bien, Tucker? Est-ce qu'on se lève là? Dis-moi, on fait une petite pause. Petite pause. On se lève, Tucker? On attend, on respire. Ouais, ok. C'était pour être sûr. J'ai dit que le live durait 30 minutes, bah ouais, il va durer une heure, je pense. Vite, on doit y aller. T'as capté, lui, ce gars-là, ça c'est mes choix, ça. Ça va, on va gérer. Voilà, je bouge plus. Merde! Casse-toi! Oh merde! C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Vu que j'ai été touché, non! Vu que j'ai été touché une fois. North. Dépêche-toi, Marcus. Non. Dépêche-toi. Parce que j'ai été touché, j'ai pas pu la sauver, mon gars. J'aurais eu le temps. C'est sûr, j'aurais eu le temps. Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus.
Bah moi j'aimerais bien que ça se finisse parce que quand même 11e épisode c'est gros là. S'il vous plaît. Ah putain c'est pas fini. Mais wesh, mais j'ai fait combien de missions en fait? J'ai fini le jeu là? Tout ça parce que je me suis pris une balle, parce que j'ai pas eu le temps de bien inspecter, putain. Ouais, tu vois, y'a une meuf qui est pas là, putain, merde. Merde. Bon bah les gars, ça va déjà être la fin de ce live. On se retrouvera demain pour la rediffusion de ce live 6. Si vous l'avez pas vu au complet, bah vous pourrez voir ma rediffusion sur ma chaîne YouTube, Miko Corp. Résumé...